Que le monde entier me tendait les bras. Bonjour tout le monde, c'est Gidek62. Bon, on est parti pour le 7e épisode. Et qu'en est-il de ton ami? Elle? Bon, on va le suivre, lui par contre, on sait qu'on va se faire attaquer. Mais j'avoue ignorer ce que c'est. Donc là, je vais faire peut-être un peu plus gaffe. Ce n'est plus très loin. Allez, attends-nous. J'essaie de voir si... Un couteau de lancer. Ouais, je vais me faire attaquer là-bas. Ça, j'avais vu dans l'épisode précédent. Et je m'avais fait avoir parce qu'ils étaient arrivés à je sais pas combien. C'est surtout qu'il y a un gros, et les gros sont chiants à avoir. Je vais les attaquer direct. Ah, je peux pas. Ah, je suis dégoûté. J'ai connu pire en combattant avec l'émir de Barda en 38. Ah, je peux pas. Garde, à moi. On m'a tué. Mensonge. Ne le tuez pas. Ah. Tu finiras écrasé. Et puis j'ai rien pour me soigner. Vas-y, restez pour moi. C'est l'originalité. Ah. Bonjour là. Ah putain, je suis mal placé. Et si je descends là? Ils sont chauds les gros. Ce n'est pas à moi de juger. C'est peut-être la cruauté du monde qui le pousse à cela. Eh ben la galère ici. Bon. Attends, faut aller s'occuper de lui là, pourquoi tu me balances toi? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Tu m'as attiré dans un piège. Je devrais te tuer sur place. Épargne le doux Hamid. Alors parle. Où est Ahmad ibn Moussa? Aie pitié. Je ne sais pas où il est. Je te le jure. Je ne sais pas. Dans ce cas, pourquoi m'avoir attiré dans une embuscade? Il m'y a contraint. Qui ça, il? Sûrement pas Ahmad. Je ne connais pas son nom. Car il porte toujours un masque. Et qu'est-ce qu'il veut? Cet homme masqué. Il m'a ordonné de tenir tout le monde à l'écart, loin du lieu de fouille de la Maison de la Sagesse. Sinon... Sinon quoi exactement? Il me fera mal à la tête, comme aux autres. Pitié, épargne le pauvre ami. Où est ce site de fouille? En pleine nature, en dehors de la ville. Tiens,
Je vais te dessiner une carte. Mmh. Cette carte devrait me conduire au site de fouille. Alors. Torchon est tout sauf artistique. Cassien ! دعونا نتوقف لرؤية صغار الجنان في طريق العودة. C'était superficiel, mais c'est une belle cicatrice. Et un pouce de plus à gauche ou à droite et... Quick, de quel côté ? Tu as de la chance. Et ça ne dure pas. Habitants, sachez qu'un nid de cobras s'en prend aux voyageurs et s'aventure hors des murs. Soyez vigilants lors de vos déplacements et regardez où vous vous éloignez. Habitants, en raison de récentes allégations de corruption envers certains Qadis, le calife désire rappeler que toute contestation d'une décision de justice ici sur le territoire du califat doit être la place de la justice est traitée. Il y a un voleur dans le garde-nez. Habitant, le calife rappelle au-delà de la prohibition. Bon, donc. Assieds-toi. Je vais chercher ton traité. Il est composé de 3 pages, séparées les unes des autres. Retrouve-les pour moi. Les voleurs sont partout de nos jours. Je vais engager un garde du corps. Voyageurs, on se lève, on dirait. Oh, ils en refont ça. Ah, d'accord, ok. Je peux sentir le poids de sa complexité dans les mains. Le problème, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ah, ils en refont ça, quoi.
Je sais plus c'était dans lequel d'Assassin's Creed qui faisait ça là. Les lettres qui volent comme ça. C'est chiant, c'est que je peux pas rentrer, il faut que je trouve comment j'avais fait pour, la dernière fois pour... Ouais bah 2 minutes, si t'es pressé, t'as qu'à aller chercher tout seul. Hein. Il est fou lui. Par où que je peux monter déjà? Appelez la garde! C'est l'homme recherché par tout le monde! Garde! L'homme que vous recherchez, il est là! Vite! Ah voilà, c'était là. As-tu trouvé, Yasadiki? As-tu sur toi mes 3 pages? Ah, voilà. Ouais, je l'avais déjà fait, ça, j'avais déjà été en haut. Ces nombres, ils dépassent ma compréhension. Il y a des trucs que j'avais pas pris. Ah, un élixir, c'est bien ça. Rien ne peut nous échapper. Regarde, faut vraiment rien louper quoi, parce que j'ai pas envie de remonter. Y a pas d'objet de marquer. Je vais aller voir là avant. Il n'y a rien. Non. Normalement, il reste encore une feuille, mais elle est où? Les as-tu trouvés, Yasadiki? As-tu sur toi mes 3 pages? Bah c'est chiant, c'est emmerdant, c'est où? Habitants, le
Ah, j'aime pas quand je cherche après quelque chose et que je sais pas où c'est. C'est chiant, quoi. Je viens d'y aller au-dessus, il n'y a rien du tout, quoi. Bon, j'ai regardé s'il n'y a pas moyen de faire autre chose, là, parce que là... c'est chiant, quand même. Là, tu te demandes de trouver quelque chose, il n'y a que dalle, quoi. Les as-tu trouvés ? Il y a Sadiki ? As-tu sur toi mes trois pages? J'en ai deux, je crois, mais alors, trois, on va pas mettre ma dette trop quand même. Ah, il y avait un soldat là. Je l'ai même pas vu. Une seconde. Bon, il y a une tête qui dépasse, mais c'est pas grave. Vu qu'il est tout seul dans son coin, je vais aller le voir. Oh, ouais, non. Il est pas tout seul dans son coin. Vermont. Par contre, ils ont repris beaucoup de choses des anciens. Mais alors, par contre, niveau jouabilité, quoi. Horrible. Mais horrible. Niveau jouabilité, le bonhomme, il est raide, il est machin. T'as l'impression qu'en fait, les touches, ils déconnent. Tellement il est raide. Alors tu t'es fait dessus.
On le voit comment il est raide. C'est incroyable. Attention, prépare le prisonnier sur ordre de Zara. On ne sait jamais. Prisonnier, ici. Ce garde a peut-être la clé. Et un peu de cœur. Cela fait des jours qu'il n'a rien mangé. Ils sont quand même nombreux, hein. Là, ça fait risquer tout ça. Lui. Ton sort est réglé. C'est bien, j'ai la clé en plus. D'ailleurs, à ce propos, on peut dire que je maudis le sable qui s'est logé dans ma Samuel. Grappe les noyaux, petit grain par petit grain. Je t'apprendrai ma fin d'épaule. Ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va. Je me fie à ton instinct. Continuons à ouvrir l'œil. C'est quand je peux pas en tuer deux en même temps. Imagine, il y a déjà mal au dos. Les yeux ne sont plus que j'ai observé le serviteur de l'émir. Le gamin arrogant qui vient de mer. Il est plutôt doué à la danse. Je pense avoir appris une chose. Bah tant pis. Thank you.
Allez, crève. Une minute. En deux, je peux pas. Qu'est-ce que c'était? Qui est devenu ton plaît? Voilà. Ne me tue pas, pitié. Laisse-moi du temps, je l'ai presque déchiffré. N'aie crainte, je ne suis pas venu te tuer. Qu'essaies-tu de déchiffrer? Le livre? J'ai dit que j'en étais incapable. Ce langage m'est inconnu. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. Qui? Une dénommée Zara. Elle fait partie des érudits. Quel est ce livre? Quel est son titre? La seule chose que je sache, c'est qu'il emploie une écriture inconnue. Et j'en ai vu des centaines. À entendre Zara, il s'agit plus d'un artefact ou d'une relique que d'un livre. J'ai menti à propos de mes progrès, afin de rester en vie. Je suis incapable d'en comprendre un seul mot. Je ne sais même pas si c'est une langue. Où puis-je trouver cette Zahra? Je n'en sais rien. Elle peut être n'importe où en ville. Je veux juste rentrer chez moi. D'accord. Va te mettre à l'abri avant le retour des gardes. Il y a forcément quelque chose d'utile ici. Cette lettre de l'ordre parle d'Arib. Est-ce une référence innocente ou quelque chose de plus sombre? Cette lettre indique où se trouve le domaine de Zahra l'érudite. Cette machine singulière. J'ai vu quelque chose qui y ressemblait dans l'atelier d'Ahmad. Ce livre me met mal à l'aise. Je vais le laisser ici. Il est temps de se rendre au domaine de Zahra et de découvrir si elle est liée à l'ordre.
فيزياء أرسطو وفقا لتفسير الحمصيين تراجع فكرة مدقة. إيه، مش راكي جست لا؟ جاد، أموا، أمي بوري، ديتروسي، أنا، 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 علماء الرياضيات المراجعة Allez, épique. Mieux vaut se faire tout petit. Domaine de Zahra. Il n'y a personne. C'est l'occasion de fouiller les lieux. On va regarder les choses d'en haut. Pas l'air d'avoir de soldats, rien. Ah, les portes sont barricadées partout, quoi. Ok, c'est barricadé de partout. Ici j'appelle la cloison là. Elle ne trouve rien. D'accord. Ok. Bon. Ah, c'est clair avec ça là.
Il doit y avoir une entrée, un truc. Je vais essayer de descendre là. Merde. Putain, y'a rien quoi. Ah, c'est la galère quand c'est comme ça. Non, non, c'est trop loin. Avant, t'avais des indices, des trucs et tout, là, c'est quand même chaud, quoi. Là, ils te laissent en mode... Tu te débrouilles. Aïe. Oh, ça va. Oh, ça va piquer. Non, ça va. Bon, je vais me relever, il n'y a pas l'air d'avoir de soldats, j'irai plus vite. Par contre, ça me fait chier, c'est que je trouve pas l'entrée, quoi. Je trouve pas de truc. Je trouve pas de porte, je trouve pas d'objet. Je trouve rien. Là, la porte là. Ah non. Là, il y a des soldats là-bas. Mais c'est des soldats qui sont hors du... Il n'est pas le bienvenu. Hors du truc, quoi. J'essaie de trouver une fenêtre ou un truc. Là. Une porte. Ouais, vas-y, pour faire ça. Ouais. Autant qu'il aura rien fait, quoi. Là. Putain, c'est tout barricadé de partout, quoi. Là, au-dessus, il n'y a pas de porte. Des armes en bois et des mannequins d'entraînement. Il semble que notre érudite manie autant la plume que l'épée. Aïe. Une clé là-bas, mais ça va m'aider à quelque chose. Eh ben, enfin une porte ouverte. Ça fait plaisir tout ça. Fallait la trouver, la porte ouverte. Après, c'est une porte ouverte qui m'a pas mené à grand chose, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça.
C'est incroyable que je mette autant de temps quand même à trouver des trucs à la con comme ça, quoi. C'est en train de me saouler à chercher des trucs à la con comme ça. Y a pas des trucs là, autre chose que de chercher des trucs de merde là, franchement. Putain, ça fait deux trucs où il faut chercher des machins, mais alors voilà les trucs quoi. Y a pas un truc pour Ah, ça a l'air pas mal ça. Des membres des Thaabines. Il faut que j'en sache plus. Attends un peu. Tu vas souffrir. Qu'en dis-tu, mon frère? Un autre éclat. Les vers mangeront ton cadavre. J'ai déjà entendu ça. Tu es à moi maintenant. J'ai intérêt à rester caché. Allez. Ma montre quoi.
venir m'aider. Tu prétends m'ignorer? Ah, ça m'énerve quand même, galérer comme ça. Je joue à un jeu. J'ai l'impression de jouer à un jeu, et je te jure. Si j'aurais voulu jouer à trouver la clé, j'aurais joué à Fort Boyard. Là, t'as aucun indice, hein. Rien. Observe bien. Ce même-là, il dit observe bien, il observe que dalle, l'aigle. Il est pourri, quoi. Et même en faisant la vue comme ça, peut-être pas énormément aidé, quoi. Mais bon. Comme ça, c'est la vie. Ça, c'est le même endroit que je vais depuis tout à l'heure. Mais... Elle te montrerait des portes ou des fenêtres ou des trucs, mais y a rien. Rien. Ah là-bas, il y a un truc là. Il y a une feuille. Ça, c'est une preuve de quelque chose, ça. Là. Zahra pourrait revenir à tout instant. Ah là là, alors, trouver des trucs comme ça, comment j'aime pas. Non, elle score 2 en plus. Pas. Il y a un coffre ou quelque chose là, mais... Il y a une sorte de porte rouge là-bas, là. Là-bas. Ça, en fait, faut que j'arrive à le péter ou quoi. Ah ben voilà. Bon allez, avec la chance, il m'en restera plus qu'un. Qu'est-ce que j'aime pas chercher après des trucs comme ça, c'est... Ouais, il va m'en rester quand même. Alors, du coup... Il faut celui-là. Ah non, il y a une autre porte à casser. Il y a un autre truc à casser. Il est où le truc à casser là d'abord?
J'ai été aussi. Ah non. Un autre recueil de poésie d'arrive. Elle est manifestement appréciée dans certains cercles. C'est bon là, non? Elle dit se n'en trouver encore deux. Ah mais ils sont sérieux. Ça c'était un bon. Ouais, ils sont sérieux. Des endroits, il y a encore des trucs. Alors là, celui-là. Ah, je pense qu'il faut jeter quelque chose dessus. Est-ce que j'ai encore des couteaux? Ah ouais, non, c'est... Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Que je trouve un système pour entrer. Ah. Ah. C'est bon ça. En fait, j'avais juste à faire le comptoir par l'extérieur. Bon, ça me saoule quand même, quoi. J'avance quand même pas mal, là, mais alors, ça me saoule quand même, l'histoire de... Puis j'ai des coffres, j'ai des machins, j'ai des, tout ça, mais alors, par contre, les feuilles, ça avance pas plus que ça, quoi. Dans le truc, il n'y a plus rien à essayer de prendre. Là, ça c'est une feuille. Ah, du moins, je crois. Là, en face. Ah non, je l'ai déjà eu ça, bah ouais. Oh, c'est saoulant ces affaires de... Là. Là, il y a des feuilles, mais... Ça, c'est tous des feuilles que j'ai déjà lues. Zahra a clairement des liens avec l'ordre. De même qu'une personne du nom d'Al-Arabisou. J'ai appris tout ce que je pouvais. Mieux vaut rejoindre une hauteur et se préparer. Zahra peut rentrer à tout moment. Eh ben, il était temps, quoi. Ah. Ah. Énorme. Tu vas aller sur une hauteur, Egan. Là, t'es sur une hauteur.
Là, je crois que tu peux pas trop aller. Bah non, voilà. Donc on va s'arrêter là. C'était un peu la misère, hein, franchement, parce que moi, trouver des trésors, c'est pas trop mon délire. Mais bon, si vous avez aimé la vidéo, bah, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure dans un prochain épisode. Salut !